Nous sommes, ou plutôt je suis, toujours tout seul au 36 rue de l'hôtel de ville à Rinou. Philippe Stocker, signe particulier, est né le mercredi 4 avril 1962, vers 18h d'une mère poule. C'était déjà un mercredi, et mercredi, c'était le jour du canard. Alors voilà, mardi, j'étais à la gendarmerie d'Erstein, donc pour la troisième fois, on m'a dit que mon dossier a été envoyé au procureur. Parce que j'ai porté plainte pour internement abusif, mise en danger de la vie d'autrui contre les... pseudo-experts psychiatres qui m'ont empoisonné avec des psychotropes. J'ai des témoins, plein de gens qui m'ont vu, j'ai des vidéos où je suis bouffi gros. Vous croyez que ces gens-là, à un seul moment, s'excuseraient? J'ai essayé d'appeler. Jamais. Et pourtant, j'ai un dossier, mais alors, des casseroles. Donc, je leur ai dit, j'ai des. Il faut que je ramène un rucksack de casseroles, de société, parce que ça entraînait une situation de surendettement. Bien sûr, si on dit c'est de leur faute, ou devenir paranoïaque, c'est toujours la faute des autres. Dossier, je vais pas dire explosif, parce qu'après, on va dire, ah, il emploie des mots explosifs et tout ça, mais un dossier explosif contre le CHS de Kraft, voilà. Ça a duré 3-4 ans. Mon fils Lucas a vu un père tout sauf un père normal qui le samedi ou la journée travaille et le soir fait du béton, du jardinage, du machin comme ça. Il a vu une loque dans une chambre que mon ex-épouse appelait la chambre mortuaire, où je suis passé des journées entières à essayer de récupérer, parce que les médicaments, les saloperies de médicaments qu'on m'a filé m'empêchaient de dormir. Et là, je récupère dans des nuits de 3-4 heures. Avec bien entendu une petite pause, j'ai demandé, puisque j'ai repris le travail de moniteur auto-école chez ECF Lérina, donc je remercie son PDG Philippe Lérina de m'avoir fait confiance. Petite pause entre midi et deux, dans laquelle, avec mon petit attirail de trial, de baroudeur que j'ai, de moto-trial, puisque je suis connu dans le monde entier pour les vidéos et une prestation de moto-trial, voilà. Donc, obtenir réparation contre ces gens-là, c'est peine perdue. Hein. Jean-Louis Cacomo, qui avait dénoncé la vente de diplômes de complaisance à des étudiantes chinoises, qui a été internée abusivement, qui a subi le martyr, donc, qui a été transférée dans un autre établissement pour subir des électrochocs. On voulait lui faire des électrochocs à Jean-Louis Cacomo, un maître de droit et d'économie. Il a eu 5000 euros pour 2 ans d'enfer. Voilà, Jean-Louis, bravo pour ton courage, merci pour tes bouquins. Je les ai là derrière, quelque part, dans la bibliothèque. Voilà, donc jeudi, comme je dis généralement, c'est le jour des experts. Alors, il se trouve que je suis informaticien, je verrai une petite vidéo aussi, donc ça adresse à mes collègues de boulot. Je suis un homme de terrain, c'est-à-dire qu'à aucun moment je vis une place de planquer dans un bureau, un truc comme ça, c'est pas pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est l'action. J'aime voir les gens, j'aime rencontrer la jeunesse. Voilà. Et puis, et donc surtout, les techniques de compétition entre elles
m'ont amené à décomposer les mouvements, parce que le plus dur pour tous ceux qui passent le permis en boîte mécanique, c'est tout ce qui est synchronisation, embrayage, frein, la tenue du volant, etc. Donc j'ai développé une technique qui m'est propre, qui permet à des personnes qui n'ont jamais conduit ou piloté ou voler en mobilette et tout ça, de progressivement, grâce à des méthodes que j'ai mises en place. Je remercie aussi un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Dorfer, donc de NPC, qui a dit qu'il m'offrait un petit bouquin, La conduite pratique, les nouveaux, parce que les anciens, je les ai récupérés, c'est des papyrus. Ils sont un peu sales, donc en ce moment, on est en train de les passer au linge désinfectante. Et puis, et donc, j'ai aussi un bouquin que j'ai écrit moi-même en 2005, sans qu'aucun employeur me paye pour. Sur les oricales, donc un truc qui m'est propre, que je ne copyright pas, mais que je donne, que je permets aux candidats. Je préfère appeler, j'appelle pas les élèves, ça fait prof, ou clients, parce que ça fait pognon, je préfère les appeler candidats au permis. Mais, donc je leur ouvre le truc, je fais, prends l'appareil photo, puisqu'aujourd'hui on peut prendre des photos, tac, tac, et je dis, et prends l'information. Prends l'information en amont, comme ça après, c'est plus du temps que je perdrait entre guillemets, enfin que vous perdez, puisque moi je le perds pas, moi j'ai payé le même salaire à la fin du mois que je vous fasse rouler 1 heure ou 10 heures, mais il vaut mieux pour vous et pour votre pognon que ça ne dure pas trop longtemps et que vous preniez l'information tranquillement chez vous dans un fauteuil pour ensuite remettre en application, en conduite pratique ce que vous avez appris intellectuellement chez vous à la maison. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Pas grand-chose. Sinon que demain, c'est vendredi, et vendredi, c'est le jour des ramards. Souriez, vous êtes flashés. Enough.